connaisseur Tikazo Original Chiller, bienvenue à la boutique Le Cartel pour Culture. Pour ma réalité, des fils de bif avec régularité. Je marche avec un jack pour ma sécurité. Avec le C-Jack, je suis affilié. De Pierrefonds jusqu'à tous les quartiers de l'Est, mon cliquet éparpillé. J'ai commencé à rapper, par hasard, c'était une question de challenge. Parce que le rap ici, il commençait. Puis j'en entendais que j'étais comme, je suis sûr, je peux rapper mieux que ça. Puis une autre raison, c'est parce que j'en entendais, ils rappaient agressif. Comme si c'était dangereux ou quelque chose. Mais moi, dans ce temps-là, que j'ai commencé, j'étais vraiment deep dans le street. So, c'est impossible que tu sois dans le street, dans l'Est, en tout cas, je sais pas pour les quartiers anglais. Mais dans l'Est, c'est impossible que t'es dans le Sud puis je sais pas t'es qui. So là, moi, j'étais comme, moi, je peux rapper mieux qu'eux. Je peux parler du Sud d'une façon que peu de personnes peuvent parler. Fait que c'était la motivation pourquoi j'ai commencé. C'est plus qu'un passe-temps. Écrire des rhymes qui riment avec le crime. Ce que j'exprime, je l'ai maintenant. Derrière la vitrine. Tu vois, la fin qui est fun, c'est que maintenant, je peux en parler plus que dans le temps. Mon album, il y a beaucoup de détails, puis je parle beaucoup plus librement, passer beaucoup de choses anciennes. Puis le fait que je suis plus dans le milieu, je peux vraiment analyser ce qui s'est passé, puis prendre les parties importantes. Tandis que dans le temps, quand je vivais, c'est comme dedans, je m'en rendais par compte. Je m'en souviens, c'est en 2006, c'est quand j'ai fait Pour nous, c'est normal. La grosse veste et les armes, pour nous, c'est normal. Les bons pour les under, pour nous, c'est normal. Les fusillades, les bombes rush, pour nous, c'est normal. La drogue. Ce track-là, je l'ai fait quand j'ai commencé à catcher que notre mode de vie était pas normal. Si tu vois le flash, j'aime les guns qui sont chromés, ils sont beaucoup et ils sont gourmets. Personne court, ils sont même pas armés. Shit, la prochaine fois, on est au moins Jack Chris. On est en 2006, tu sais. J'ai des bifs, mais le petit nombre minime de bifs que j'ai à l'âge qui sont rendus, déjà qui sont plus vieux que moi, parce que nous, on a 16-17, puis on bifait avec des gars de 22 ans. C'est comme, à cet âge-là, ça fait une grosse différence, là, maintenant, moins, là. Mais c'est ça, c'est du monde qui a changé de vie. C'est pas du monde que si je les croise dans un restaurant, il va se passer quelque chose, là. Je peux m'asseoir à côté d'eux, puis c'est comme, ouais, c'est pas ici quand ça se passe. Non, je sais, c'est pas ici. Il y a des endroits, par contre, que certaines personnes, c'est style comme... Et ça, malgré que tu sois plus dans la street. Mais c'est parce que eux, c'est différent. C'était pas une question de gang de couleurs, c'était des bif personnel, là, je veux dire, il y a eu des morts, là. Fait que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes que, comme on dit dans nos slings, si on le croise dans un fenois, comme on dit, comme si je te croise dans une ruelle, fenois, un endroit que, ouais, c'est comme... Ouais. Parce qu'il y a plein d'autres bifs qui ont été réglés, là. Tu sais, après un bout de temps, j'ai eu des bifs qu'il y a eu des fusillades, puis qu'après ça, à un moment donné, à cause du business, argent, ça fait longtemps, puis c'est comme, OK, on peut se croiser ces visions, c'est respectant aussi tous les deux, là, qu'on est fucked up. Mais maintenant, on a passé à autre chose. Et le monde, ils ont des familles, tout ça, puis ça a passé. Mais il y a des certains cas quand il y a eu des morts, comme je t'ai dit, qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est... braquage. En gros, une arme chargée, puis vol qualifié aussi, puis rien de bizarre, là, du street shit, là. J'ai eu 4 ans, j'ai eu le minimum. Parce que déjà, juste l'arme, ça prend 3 ans. Puis j'ai eu 1 an pour le vol. Shout-out à Loris Cavalier. Quoi. Parce que toi, t'étais proche de la mafia italienne, dans le fond, c'est ça? Oui, j'ai chillé avec ce monde-là. Là. Comme il y avait du monde là-dedans, là, ils voulaient investir dans Bloc B, en même temps, nettoyer de l'argent. Alex avec des Arabes et des SC, Italiens et Marocains vendant des faux passeports, roulant des mandats modifiés, vol qualifié, c'est comme préparé à alibi précis dans les rues, same shit, même récit, jamais surpris quand un vendeur augmente le prix de son produit. Le temps c'est l'argent, personne n'a plus le temps d'être gentil. L'histoire est fou là, comme pour dire mon histoire là, ce que je peux parler là, c'est crazy shit là. Ça c'est l'honneur, on tirait dans les bars italiens. Puis mes partenaires, autres qui disent là avec eux, la connexion, comment elle s'est faite, c'est un contact d'Haïti, ok? Fait qu'après ça, ils ont connecté, puis nous, on était à Saint-Lona, on est Saint-Ex, faut qu'on connaisse les Italiens, puis là, la connexion s'est faite. Fait que là, la mafia, là, c'est comme si c'était une grosse branche, là, ça. Là. Fait que le lien qui s'est fait entre la mafia et le Blood Gang était directement fait par mes partenaires. Puis tu sais, les gars, ils ont commencé à me checker les affaires, mais c'était du petit stock. Mais là, maintenant, ça allait devenir big, là. Il y allait du monde maintenant qui vendent, qui allait venir prendre nous. Mais eux, ça les dérangeait pas que tu rappelles parce que le rap, ça attire l'attention sur... Non, parce que c'est ça que je t'ai dit. Moi, comme je t'ai dit, ça a tout foiré quand moi, j'allais rentrer vraiment dans la grosse sauce. Les gros exportateurs, là, les gars, la saisie, c'était 218 kilos. Fait que ça dit le niveau, ben, c'était mes partenaires qui s'occupaient de rentrer ça, là, ok? Là, c'était rendu le temps que c'était à notre tour de manger bien, là. Parce que là, mon partenaire m'a dit à Snap, il dit, oh, tu fais manger plus ces gars-là, puis c'est nous, quand il y a un bif, c'est nous que t'appelles. Fait qu'après ça, c'était rendu que nous, on était 3 de notre ticket, qu'on allait chacun avoir un kilo gratuit, là. Rien à remettre, free of charge, on start, là. So, c'est une question de... Une année plus tard, I would be a millionaire. Mon partenaire, je te dis, là, Ray, rest in peace, là, il y a 3 millions cash qu'ils ont pris chez lui, là. Ça, c'est 3 millions cash chez lui, c'est pas tout l'argent qu'il avait, là.
Tu comprends ce que je veux dire? Mais à chaque fois, tu dis un nom, en même temps, tu dis rest in peace. Donc, peut-être que c'est mieux que t'aies arrêté avant. Non. Tu crois que je regrette? Mais attends, au moment donné où ce que moi, j'allais rentrer, non. Heureusement, je ne me suis pas fait arrêter. Mais non plus, ils n'auraient pas pu m'arrêter avec rien de sérieux. J'ai rien eu de stock, vraiment. Je n'étais pas encore dans la machine. Mais si tu me dis 2-3 ans avant, est-ce que je rentre là-dedans puis je prends 8 ans de prison après? Oui. Mais non, avec Sargent... Je vais le faire 8 ans, là, les temps sous dos en prison. Là. Quand t'as pas de stress d'argent, là, puis t'as pas de stress pour ta sécurité, là, puis tu sais que dehors, tu sors, puis ta vie est encore belle. Là. Qu'est-ce si le stock a passé, ou si le sac est percé, ou si le code qu'on a prévu avait la balle, pas te déclare que c'est passé. Y'a 3 glocks, 2 gars, impossible d'être coincé. Moi, pour moi, y'a du monde, c'est des victimes du ghetto, puis y'a du monde que c'est des vrais criminels. Victime du ghetto, c'est ceux qui disent j'avais pas le choix. Ben, t'es une victime. Parce que c'est pas vrai que t'as pas le choix. Pas au Canada. T'as pas le choix de vendre la drogue pour manger, là. Moi, j'ai pas grandi avec du monde comme ça, moi. Moi, dans mon entourage, c'était du monde, on a vu les deux options. Nah, ça c'est bien mieux. Mais oui, fuck that, je vais faire ça, je roule ici, j'ai la maison. Après, je nettoie mon argent, puis je vis legit après. Ça, c'est le plan ultime de tout criminel. Je bombe rush le shit, je flash, chill, je stash. Après ça, j'ouvre des business legit, puis je m'en vais en République ou sur une île, puis je vis tranquille. Ça, c'est le rêve de tout la suite. Fait que ça, c'est pas des victimes, là. Mais il y en a combien qui ont réussi ce rêve? Il y a des différents niveaux, tu sais. Il y a des pertes qui sont, ok, t'as perdu, mais t'as vécu bien pareil, là. Mais il y a des pertes vraiment quand c'est une question tu meurs ou des sentence de la vie, là, ok. Après, moi, je sais que je suis pas un gars ultra matérialiste, comme que je suis obligé d'avoir des Bugatti, puis non. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la liberté. Avoir assez d'argent pour faire ce que je veux quand ça me tente, c'est ça pour moi la richesse, être libre. Tu sais, les gars, ils s'en foutent du rap, là. C'est ça, faut que le monde comprenne aussi. Il y a du monde qui pense que, tu sais, dans le suite, le monde sont influencés par la musique. C'est un gros bluff. Les gars, suite, ils s'en foutent que t'es rappeur, là. On n'aime pas les rappeurs. T'es pas hot parce que t'es rappeur. T'es fraîche si t'es un gars de suite qui rappe. Là, les gars de suite vont te filer. Tu comprends? Ou si on te file, c'est que t'es toi-même, t'es pas du tout gangster, mais t'es bon, puis ok, on va te respecter. Mais si t'essaies d'avoir l'air tough, puis t'es pas un gars de la rue, rentre pas dedans, bro. Rentre pas dedans, tu vas te faire péter. Protect tout de suite. Les gars vont s'amuser avec toi, man. En prison, c'est juste ça que t'as à faire, là. T'as juste besoin d'une mini raison pour péter quelqu'un. Fait que là, le gars qui parle tough, on va te tester, là. Tout de suite. Probablement, tout le monde se fait tester. Fait que si t'es un rappeur, qu'on n'est pas sûr de ta crédibilité, on va savoir tout de suite maintenant. On va voir si t'es solide. C'est sûr, certains oublient ça. Oui, c'est vrai. Mais moi, en plus, c'est différent. Parce que moi, dans le temps que ça a commencé, Montréal-Nord avait toujours la couleur rouge. Mais c'était pas tout Montréal-Nord qui est rendu des Bloods ou des... Tu comprends? Il y avait une gang, puis cette gang-là avait le bandeau rouge. Puis dans le Saint-Michel, puis Neuf, ils utilisaient la couleur bleue. Puis à Rivière-des-Prairies, c'était vert. Fait que c'était... T'avais des beefs avec le gang, pas avec tout le coin. Fait que moi, j'ai jamais eu de beef avec personne à cause qu'il était un gars de Crip. Les gars avec qui j'avais des beefs étaient des Crip. Tu comprends la nuance? Même sinon, je m'en foutais de dire, lui, c'est un bleu. Comme, ok, je le connais pas. Ouais, j'en ai rien à foutre là, moi. Non, ça s'est beaucoup calmé. Il n'y a plus personne qui va biffer pour ça. On peut dire que c'est dead, ouais. Mais c'est une bonne chose. Ah, ben oui, c'est une bonne chose. Bah, c'est ridicule. Biffer à quelqu'un juste à cause qu'il habite dans un autre coin, c'est con là, comme. Tu sais, j'ai toujours, moi, c'est sûr, je rappe Blood d'où je viens. Je suis de Montréal-Nord, dans le sens que la majeure partie de ma vie, j'ai habité à Montréal-Nord, mais j'étais au secondaire à Saint-Laurent. Donc c'est là que j'ai fait mes amis. Fait que rendu, c'est là que je me tenais. Quand je rentrais dans le game, Saint-Laurent. Mais j'ai jamais habité à Saint-Laurent. J'ai pas de biff avec les gars bleus. Bon, justement, je fais track avec Mike Zop, je fais track avec Sadiq. Justement, ces mouvements, on les fait consciemment pour montrer aux autres comme yo, c'est dead là, ça là. Yo, le drapeau haïtien, c'est bleu et rouge en plus. Fait que c'est tellement ridicule, sinon on se base sur ça pour biffer là, c'est comme. Mon fin mandat était 2012, je suis sorti en 2011. Quand je suis sorti de prison, disons que j'ai continué à être wrong, mais wrong tranquille. Mais disons que j'étais pas legit là pendant un bon bout de temps. Là, les affaires commençaient à mal fonctionner, tu sais, l'argent rentrait mal, puis les risques que je prenais, je devais prendre plus de précautions qu'avant. Parce que là, j'avais fait du temps fédéral. Fait, ça veut dire n'importe quelle affaire que j'allais prendre, comme si je suis récidive, surtout ça implique de la violence, j'allais avoir une plus grosse sentence, genre 7 ans minimum et plus. Donc là, il y a des risques que tu vas pas aller prendre. Tu sais, je vais pas aller risquer de faire 30 000 puis aller faire 7 ans en prison. Voilà. Fait que là, à un moment donné, quand toutes les affaires, ça fonctionnait pas, moi, je m'étais toujours dit, l'école, ça a toujours été facile pour moi, tu vois. Hein? Je m'étais toujours dit, j'avais mon plan A,
Mon plan A, c'est des plans qui a rapport avec la rue. Le plan B, c'était le rap. Puis si aucun de ces deux points-là marche pas, ben je retourne à l'école, je travaille, je fais un métier. Puis quand j'ai commencé à faire ça, puis j'étais allé, j'ai dit hell the fuck no, c'est pas pour moi, man. C'est comme, c'est pas être légal qui est pas pour moi. Mais c'est travailler un job avec un horaire fixe. Là. Tu travailles pour payer des bills. Ton week-end, dans le fond, c'est pas un cadeau là. Ton week-end, c'est parce que faut qu'il te donne un break là pour que tu retournes travailler là. C'est pas pour moi. Ouais, mais là j'allais retourner dans le plan A. Ah ouais, j'ai pas passé au rap tout de suite là. Après que le plan C fonctionnait pas, j'ai dit ok, plan A à fond jusqu'à la mort. Fait que là j'ai recommencé, mais là quand j'ai recommencé, je faisais ça en fou là. Comme j'étais rendu chez nous, j'avais de la drogue, j'avais des armes, j'étais rendu avec de l'argent. Il y avait d'autres affaires qui se passaient. Puis là à un moment donné, j'ai dit oh, slow the fuck down. Mais c'était chez toi que t'avais tout ça ou? Bro, chez moi. Mais ça, c'est pas c'est ça que je te dis, c'est complètement fou. Mais là, c'est parce que je sortais de, pour moi, rendu là, n'importe quoi à part retourner travailler. Puis là, j'ai comme slow down, j'ai dit, oh, c'est pas intelligent ce que je fais là. En faisant ça, le goût du rap m'était revenu en même temps. Fait que je retournais dans le A, mais j'allais quand même rapper. Fait que là, j'allais retourner dans la même pattern que je faisais avant. Je fais du crime, on investit dans notre musique. Ben, j'ai bien vu, ça marchait pas là. À chaque fois que je faisais ça, il y a un problème légal qui faisait que ça gâchait ma carrière. Fait que là, après ça, quand j'allais faire ça avec un partner que lui aussi était louche, qui allait investir avec moi, là, j'ai dit, oh, ça va être le même pattern, man. Là, j'ai dit, attends une minute. Carlos m'a déjà rencontré, présenté un contrat. Là, je l'ai checké. J'ai dit, oh, Carlos, c'est quoi maintenant, là, qu'on peut parler maintenant? Parce que je sais que maintenant, c'est sa situation avait changé. Là, il m'a dit, OK, est-ce que t'es dans le travail avec Rough Sound? J'ai dit, ben oui. Le mythicisme aussi, il y a un mythicisme avec Ticazo. Tu sais, surtout qu'il n'a pas sorti beaucoup d'affaires, tu vois ça? He's the number one here. Ben, c'est mon rappeur francophone préféré de tout, là. Le boy, il peut te peindre une image, là, son souci du détail, puis aussi, tout ce qu'il dit, c'est que tu sais, c'est pas des conneries, là. Il a vécu, puis sa façon de parler de la rue, sa façon de parler de la vie, whatever. Ah man, he's just that dude, man. Mon comeback anyways, même si je n'ai pas rien, j'allais faire Rough Sound. Puis après ça, il savait déjà c'était quoi mes attentes. Puis j'ai eu ce que je voulais, puis c'est ça. Moi, j'étais monsieur anti-label. Ma mentalité anti-label, faut que tu saches que c'était dans le temps des... La game a changé. Vraiment, le poids maintenant des labels n'est pas aussi gros qu'avant. C'est pas comme si le monde y court après les labels. Parce que les labels, si t'as pas déjà un hype, ils s'en foutent de toi anyways. Puis le gars qui a déjà un hype, il y a un poids dans la balance. C'est pas genre si tu signes pas avec nous, si tu vas vendre ta musique, là, t'as plein d'options. Puis ce que je me suis rendu compte aussi en réfléchissant, c'est que anyways, quand je faisais ça indépendant là, ben c'est indépendant, mais il y a du monde qui sont payés pareil là. Mais moi, mes parts du gâteau, ce que je faisais ça avec mes amis, des hustlers smart, mais les gars t'es pas focus sur le rap. Puis le monde a encore des clichés, ils pensent que le label il contrôle l'artiste, qui donne non, ça c'est peut-être dans le temps quand tu sors du ghetto, puis tu t'en vas voir Sony, que lui à Mariah Carey, là t'es comme un. Mais là maintenant, les gars du label, c'est des gars de hip-hop là. Ils veulent que ça fonctionne. Je pense pas qu'un gars de label voudrait que j'aille des gars, oh, il m'a crossé. Ce serait pas une bonne idée, quoi. C'est une affaire qui me surprend tout le temps. Comme honnêtement, j'ai vraiment remarqué que j'avais eu de l'impact comme l'année passée. Parce que c'est l'année passée qu'il y a beaucoup de monde qui a commencé à me dire il faut que je revienne, ils m'ont expliqué pourquoi. Il y a du monde qui m'ont fait des témoignages. J'étais comme oh ouais, waouh, tout ça. Ce que je savais, c'est que j'avais fait mon nom dans le rap game. Mais à part de ça, le reste, j'y pensais pas parce que le rap, c'est pas important dans ma vie, tu vois. Moi, je serais pas revenu si j'étais whack. Moi, je comprends pas les rappeurs qui sont whack puis qui s'en rendent pas compte qu'ils sont whack. Comme ce monde-là, j'ai envie de les étudier, là. Des foutre dans un bureau, là, avec des professionnels, là. Comme, écoute ta musique. Maintenant, écoute, c'est qui ton rappeur préféré? Maintenant, écoute lui. Tu vois pas, il y a quelque chose de fucked up, là, comme la distance est trop grande, là. T'es pas obligé d'être aussi bon, là. Je déteste les rappeurs whack qui s'en rendent pas compte. Comme, c'est impossible, tu vois pas. C'est de la merde, quoi, man. Comme, man, non, je sais pas. Ça, c'est important. Moi, je peux pas rapper si je sens pas qu'il y a de la compétition. C'est pour ça que quand je suis sorti de prison, je voulais rien sortir du rap parce que la scène était plate. À part Sadiq, Fokker, qui bombait, il y avait Jack Boy, je pense, qui a commencé dans ce temps-là, Manu. Mais à part ça, c'était dead. Il y avait des vieux groupes whack, là. Fait que moi, j'étais comme vague sous ça, man, c'est pas intéressant. Mais là, maintenant, c'est le fun, là, la game. Il y a de l'ambiance, il y a du talent, les gars sont forts. So, là, j'ai envie de rentrer, puis OK, yeah, tu sais, voir où ce que je me place. C'est le fun, mais je me vois plus autant en compétition maintenant. Je suis pas dans un vibe, faut que je sois meilleur que lui, faut que je sois meilleur que lui. Je suis juste content de voir la scène.
Si ça sonnerait trop 90, non plus, je voudrais pas ça. Là, le son sonne trop. J'ai une chanson par exprès, je voulais qu'il sonne vraiment 90, tu sais. Mon but, c'était que mon premier album, il sonne comme un album. T'es pas sûr s'il est sorti en 2002 ou en 2004, tu sais, comme. Mais je voulais pas non plus qu'il sonne trop 2020, là, que les sons juste de maintenant. Parce que ça, je me dis, ça va donner une date à l'album. Moi, je voulais un album. L'album, mon premier album, je l'ai vraiment fait pour mes ceux qui me suivent depuis longtemps, là. Si je prends des nouveaux fans avec mon premier album, c'est cool. Parce que je me dis, le monde, ils attendent un album, ça fait longtemps. Fait quand t'attendais mon album, tu t'attendais un son. Je peux pas arriver là, puis je te donne du son de maintenant. Moi, je sais que si j'attendais un album de rapper, il me fait ça, je serais énervé. Mon picture dans mon mind, j'ai deux albums, c'est certain que je fais. Après, on verra qu'est-ce qui se passe. Fait que si vous voulez, je continue à rap, streamer les affaires. Mais mon but, c'est deux albums pour vraiment dire tout ce que je sens que j'ai à dire. Le premier album, c'est vraiment introspectif. J'ai beaucoup d'anecdotes. Là, avec le deuxième, je vais vraiment mettre dans un state of mind, OK, maintenant, je rap, maintenant, là. Mais c'est sûr, il y a des gars que je respecte, que je file, je vais vouloir faire des featuring. Fait que c'est eux qui vont amener une petite sauce un peu plus. Le MC, il est basé complètement juste sur le texte, les lyrics, les jeux de mots, la technique. C'est ça pour lui qui est important, qui passe en premier, en deuxième, en troisième. Le reste vient après. Le rappeur, c'est tout le package. Le flow, l'image, le look, la personnalité, le package deal, tu comprends? Fait que c'est pour ça, par exemple, si on demande ma liste des meilleurs MC, elle va être différente des meilleurs rappeurs. Tu comprends? Comme meilleur rappeur, je mets Jay-Z. Mais meilleur MC, là, je pourrais dire Kooji, Rap, Nas, Rakim, Jada Kiss, tu comprends? Comme Tupac, en tant que rappeur, lui aussi, là, tu peux le mettre top 1 ou 2, whatever. Mais pas en tant que MC lyriciste, là. Je le mettrais pas dans le top 3, 4, 5, non. Ah, ben oui, à la claire ensemble. Moi, c'est vidéo sauce poids. Comme yo, tu fais une vidéo sauce poids, comme il y en a un, il est assis sur un bol de toilette en train de manger un plat. L'autre, il est dans la cuisine avec un chat. Non, non, non. Des affaires de même, faut que tu ailles demander la permission à quelqu'un respecté dans la communauté haïtienne pour montrer le vidéo. Puis tu disais, c'est correct ça? T'es assis sur un bol de toilette. Quelle autre façon que je peux le voir? Mais non, mon cher, c'est pas supposé te passer ça. Moi, je décide, je fous ça dehors du rap, du hip-hop. Moi, venez pas me dire, non, c'est barré, pénitence à cause du vidéo sur ce poids, you're out. Non, battle rap, c'est impossible. Honnêtement, je respecte les battle rappers, bah, j'aime ça. À un moment donné, j'ai vraiment regardé ça beaucoup, là, les Smack, URL, puis tout ça. Je respecte l'art. Mais moi, impossible. Comme je te donne 3 minutes pour que tu m'insultes dans ma face. Mais décalis, t'es fou. Faudrait que je te donne une liste de tout ce que t'as pas le droit de dire. Comment t'as dit ma mère dans ma face? Oh, c'est du rap. Ma mère existe pour de vrai. Puis tu viens de l'insulter. C'est pas une illusion, là. Que moi, dans le temps qu'on faisait des ballons, c'était pas je te dis toi, c'était tu spit tes meilleures lines. Si j'irais, ce serait par exprès, je dis je m'en viens slap quelqu'un. Je m'en viens, j'attends. Non, cette phrase-là, je l'aime pas. Bam. Puis après ça, moi, je faisais passer mon temps. Ma vie personnelle à écrire sur un gars. J'ai jamais écrit un battle track pour quelqu'un, un track diss. Une ligne peut-être. Moi si j'écris, plus maintenant. Maintenant, j'ai plus de beef avec personne. Mais si quelqu'un me diss, moi, je m'en vais te voir. Après, j'ai donné une ligne sur qu'est-ce qui est arrivé. 5-5-5. Charles, ta culture, respect. Charles, ta rough sound. Rough sound production. You know. The Crips it blood, the pimps it dog, the bitch it cop, the beef d'un club. J'te parle de Montréal, où c'est pas les hip-hop mais mes bottes qui brisent les portes. En surprise, encerclé type claustrophobe.